président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé avoir ramené le nombre de ministres de 36 à 28, dont la moitié sont des femmes. Une initiative visant, selon lui, à améliorer l'efficacité d'un gouvernement obèse. Un Sénégalais a été condamné ce mercredi à Dakar à 6 mois de prison avec sursis après avoir appelé sur Facebook à tuer beaucoup de femmes. Ce, en réaction au meurtre d'une jeune fille qui a ému l'opinion. L'attaquant de Swansea, Wilfried Bouni, a été retenu dans la préliste de 27 joueurs de la Côte d'Ivoire dévoilée par le sélectionneur pour la CAN 2019. Grand absent Gervinho, un choix que le sélectionneur assume. Voilà pour les titres de cette nouvelle session de l'information. Bonsoir à chacun, bonsoir à tous. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a annoncé avoir ramené le nombre de ministres de 36 à 28, dont la moitié sont des femmes. Une initiative visant, selon lui, à améliorer l'efficacité d'un gouvernement qu'il qualifie d'obèse. Cette nouvelle équipe essaiera aussi de redorer le blason d'une ANC de plus en plus érodée dans l'opinion. Plus de précisions à travers ces images. Cyril Ramaphosa a présenté son nouveau gouvernement, un des rares gouvernements paritaires de la planète, après avoir mené son parti, le Congrès national africain, à la victoire aux élections législatives du 8 mai dernier. Depuis son arrivée au pouvoir il y a un an, Ramaphosa répète qu'il va tourner la page du règne de Jacob Zuma, terni par une litanie de scandales politico-financiers qui ont éclaboussé l'État et le parti. Pour les observateurs, Zuma avait augmenté le nombre de ministères afin de s'assurer des obligés et augmenter son influence. Pour améliorer la cohérence, la coordination et l'efficacité, nous réduisons le nombre de ministres de 36 à 28, a déclaré Ramaphosa dans une allocution télévisée, car beaucoup de gens pensaient que notre gouvernement était obèse. Pour la première fois dans l'histoire de notre pays, la moitié des ministres sont des femmes, a-t-il ajouté. Il s'est également exprimé sur la captation étatique, le terme utilisé pour décrire la corruption gouvernementale sous Zuma. Tous les Sud-Africains sont extrêmement conscient des graves problèmes économiques que subit notre pays, a-t-il annoncé. Il est donc impératif que nous fassions une priorité de la revitalisation de notre économie et de la meilleure utilisation possible des fonds publics. Le président a maintenu en poste le ministre des Finances Tito Mboweni, ainsi que son controversé fils, président David Mabuza, dont le nom a été évoqué dans des affaires de corruption et de meurtre politique. Cyril Ramaphosa, un militant anti-apartheid qui a fait fortune dans les affaires, fait face à de nombreuses résistances pour réformer son pays, souffrant de chômage chronique, d'inégalités sociales, de tensions raciales et d'une forte criminalité. Au Soudan, les 2 jours de grève à l'initiative de l'Alliance pour la liberté et le changement, l'organisation civile en pointe de la contestation, se sont achevés ce mercredi. Selon l'Alliance pour la liberté et le changement, la grève a été couronnée de succès. L'Alliance pour la liberté et le changement, mouvement protestataire, a annoncé que sa grève a été couronnée de succès. Et ceci après que des centaines d'employés des transports, de banques, d'entreprises et de ministères soudanais aient manifesté ce mercredi pour la 2e et dernière journée de grève à l'appel des meneurs de la contestation pour faire pression sur l'armée qui refuse de transférer le pouvoir aux civils. C'était une grève couronnée de succès à tous les points de vue. Tous les secteurs qui ont signé le livre révolutionnaire de présence ont pris part à cette grève. Tous les employés ont participé. Le pourcentage de participation dépasse les 90% dans les secteurs d'activité qui ont répondu à l'appel. L'Alliance pour la liberté et le changement appelle à 1 million de rassemblements pour soutenir la demande d'un transfert du pouvoir aux civils. La détermination du mouvement de contestation déclenchée le 19 décembre par la décision du gouvernement de tripler le prix du pain n'empêche pas les généraux de résister aux appels de la communauté internationale à transférer le pouvoir aux civils. Pendant les 2 jours de grève, les soldats n'ont pas montré une quelconque intention de céder. Leurs dirigeants ont multiplié les voyages à l'étranger comme pour consolider des alliances. La dernière proposition de l'Alliance pour la liberté et le changement est celle d'un vote à la majorité simple et d'une rotation de la présidence. L'ALC ne serait d'ailleurs pas contre offrir le poste à un officier.
Un Sénégalais a été condamné ce mercredi à Dakar à 6 mois de prison avec sursis après avoir appelé sur Facebook à tuer beaucoup de femmes. Ce, en réaction au meurtre d'une jeune fille qui a ému l'opinion au Sénégal. Les précisions. Un débat sur les violences envers les femmes agite le Sénégal en ce mois de Ramadan, à la suite de plusieurs meurtres, dont celui d'une jeune fille le 18 mai à Tambacounda, à 420 km à l'est de Dakar. C'est à la suite d'un commentaire sur Facebook en réaction à ce meurtre que le prévenu, Ousmane Mbengue, a été arrêté la semaine dernière. Le tribunal l'a reconnu coupable de provocation et incitation à la commission d'un crime ou d'un délit, mais relâché du chef d'apologie du crime. C'est une décision que nous saluons parce qu'elle est totalement satisfactoire pour avoir fait droit à l'ensemble de nos demandes qui, j'estime, étaient très bien fondées. Le tribunal a compris que c'est un acte isolé qui ne s'adressait pas à toutes les femmes. C'était un plaisantin qui avait été inspiré par une de ses amies qui a fait cette sortie, qu'il regrette foncièrement. Donc vraiment, il s'excuse auprès de toutes les femmes du monde, auprès des hommes et de toute l'humanité entière. À l'audience ce lundi, la procureure a requis 2 ans de prison, dont 6 mois ferme. Il était reproché au prévenu d'avoir appelé à diminuer le nombre des femmes au Sénégal pour espérer éventuellement être un pays développé un jour. On devrait en tuer beaucoup même. Tous les problèmes du Sénégal viennent des femmes, ajoutait-il avant de présenter ses excuses, qu'il a réitérées ce lundi à la barre. Mesdames, Messieurs, cette édition suit son cours. Le maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'Est libyen, a remis mardi soir à l'Égypte un chef djihadiste égyptien très recherché par le Caire. Il avait été arrêté en Libye en octobre dernier. Les images. Ancien officier des forces spéciales égyptiennes devenu djihadiste, Hicham El Hachmawi a été arrêté au cours d'une opération militaire dans la ville de Derna, dans l'est de la Libye, par les forces loyales au maréchal Khalifa Haftar, soutenu par le Caire. Il a été remis mardi soir au Caire lors d'une rencontre entre le maréchal et le chef des renseignements égyptiens Abbas Kamel à Benghazi, selon un communiqué de son bureau média. Le président Abdel Fattah al-Sissi avait réclamé l'extradition de Hicham al-Hachmawi quelques jours après son arrestation. « Nous le voulons pour l'emprisonner », avait-il dit. Hicham al-Hachmawi a quitté l'armée égyptienne en 2012 avant de rejoindre le groupe djihadiste Ansar Beit al-Maqdis. Il était alors devenu l'un des djihadistes égyptiens les plus recherchés. Il aurait rejoint la Libye en 2013 avant qu'Ansar Beit al-Maqdis, basé dans le Sinaï, ne fasse allégeance en novembre 2014 au groupe djihadiste État islamique. Il a été arrêté par les forces de Haftar qui ont repris durant l'été dernier le contrôle de la ville de Derna, seule ville de la région orientale de la Libye qui échappait encore à leur contrôle. Le maréchal Haftar soutient un gouvernement parallèle qui exerce son pouvoir dans l'Est libyen et qui conteste l'autorité du gouvernement d'union nationale reconnu par la communauté internationale et basé à Tripoli-Ouest. Après une opération dans le sud du pays en janvier, le maréchal Haftar s'est lancé début avril à la conquête de la capitale Tripoli, où ses troupes font face à une résistance farouche des forces du GNA aux portes de la ville. Le maréchal Haftar est soutenu notamment par l'Égypte et les Émirats arabes unis. En pleine crise, la compagnie aérienne camerounaise nomme un nouveau directeur général. Son nom, Louis Roger Ndipendi Kouoto. Il succède ainsi à Ernest Dikoum, dont le limogeage a été rendu public au cours d'un conseil d'administration extraordinaire tenu à Yaoundé le 27 mai dernier. Plus de précisions avec Narcisse Oum, il est notre correspondant sur place. Cérémonie de passation de service mardi à Douala entre les dirigeants entrants et sortants de la Camerco. Louis-Georges Dipendi Kouatou au poste de directeur général en remplacement d'Ernest Dikoum. Mas V au poste de directeur général adjoint en remplacement de Moussa Abouba. Et enfin, Ngala Bébé Masséna Jean-Ernest au poste de président du conseil d'administration en remplacement de Louis-Georges Dipendi Kouatou, rétrogradé à la fonction de directeur général. Il s'agit d'un 6e directeur général à la tête de cette compagnie depuis sa création en 2011.
Et pourtant, les avions n'ont pas toujours décollé et la gestion financière reste calamiteuse. Les défis de la nouvelle équipe à la tête du transporteur national sont les plus rudes. Il s'agit d'abord de la flotte, de la densification de la flotte. Et puis après, pouvoir s'attaquer à d'autres questions qui portent sur la gouvernance et peut-être sur les ressources humaines. C'est le premier chantier. Comme ses nombreux prédécesseurs, le nouveau duo doit redresser la Camerco, dont la dette s'élève aujourd'hui à 35 milliards de francs CFA. Le nouveau directeur général devrait notamment piloter le vaste plan de restructuration de la compagnie nationale d'une valeur de 60 milliards de francs CFA qu'on comptait avec l'américain Boeing Consulting. Il a également la lourde charge de régler l'intégralité de la situation salariale du personnel de la compagnie qui avait déposé un préavis de grève le 24 avril dernier. Pour rappel, la compagnie aérienne camerounaise Camerco traverse l'une des plus graves crises depuis sa création en 2007. L'entreprise a d'ailleurs décidé d'interrompre depuis le 26 avril dernier ses vols régionaux faute d'avions. Ces 6 aéronefs étant tous cloués sur le tarmac. On parle football pour finir. L'attaquant de Swansea, Wilfried Bony, a été retenu dans la préliste de 27 joueurs de la Côte d'Ivoire dévoilée par le sélectionneur Ibrahima Camara pour la CAN 2019 en Égypte. Une CAN qui se jouera du 21 juin au 19 juillet. Fait figure de grand absent, Gervinho, dans une forme étincelante pourtant, tout au long de la saison à Parme, le sélectionneur s'est défendu sur ses choix, suivant l'essentiel de sa sortie. En ce qui concerne les joueurs de couloir, on a la chance d'avoir des joueurs de très grande qualité. Et j'avoue que mon choix a été difficile. Mais au risque de me répéter, je vous ai déjà dit que je ne peux pas empiler des joueurs de même profil. Donc c'est juste un problème de choix et d'équilibre. J'aurais aimé sélectionner tout le monde, mais je n'ai pas la place pour tout le monde. Donc, c'est un problème de choix. Donc, je pensais que en préambule, quand Gervais n'a pas été là, comme je vous ai dit, l'équipe s'est construite. C'est valable pour Gervais, mais c'est valable pour d'autres personnes qui n'ont pas été là. Hein. Comme je dis, je suis allé voir tout le monde. J'ai été voir Bony à Swansea. J'ai discuté avec lui. Je lui fais part de mon projet. On a souvent échangé parce que, comme je vous dis, cette liste, c'est pas une liste qui sort aujourd'hui. Mais c'est, si vous voulez, l'issue de beaucoup d'échanges, que ce soit téléphonique, que ce soit physique. Donc, à un moment, vous êtes obligé d'avancer. Nous, comme je disais au tirage, on va à la CAN avec beaucoup d'ambition. Moi, je suis fier de l'équipe que j'ai. J'ai une belle équipe. Après, une compétition, ça ne dépend pas que de son équipe. Il y a les adversaires, il y a les faits du jeu, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais en tout cas, la poule, on ira jouer crânement notre chance. Et je pense qu'on a quand même le moyen de faire valoir nos forces. Et c'est sur ces mots du sélectionneur national ivoirien que nous refermons cette édition. Merci de l'avoir suivi.